4. Yo, on est plus spécial sur Vision Break. Ça a démarré il y a à peu près 4 ans. Ouais, 4 ans, donc on jouait Alex et moi chacun dans un groupe différent. Et au final, nos deux groupes ont un peu splitté. Donc on a décidé de reformer un truc ensemble. On a formé notre bassiste ici présent, en lui donnant une base de force. Voilà, il a pris On a réussi à trouver ce bonhomme-là. Par des intermédiaires d'intermédiaires. Bien mis le nom du groupe parce que ça peut représenter le prix spécial qui cartonne, le mec qui gagne un putain de trophée. Ça peut représenter le prix spécial du discount, ça peut représenter plein de trucs et on se reconnaît là-dedans, quoi. Simplement. Dans le rock discount, ça montre un peu qu'on fait ça pas pour se la péter, juste. On fait ça pour l'argent. Voilà, voilà. Ah, puis la prochaine c'est Zombie Braconnoir. Donc on parle d'un petit zombie avec un beau petit braconnoir. Donc comme dit l'expression, bon sang, bonsoir, voici Zombie Braconnoir. Puis là c'est du rock. Ouais voilà, c'est du rock. Ouais. Ouais. Comme maintenant ils sortent des groupes de hardcore country, metal machin, nous on fait voilà, on va pas se lancer. C'est du rock et puis voilà. C'est du rock je pense. Ouais, ça se découvre en live. Style, on a le droit d'inventer le nôtre aussi. J'aime pas. D'où le discount. Ça c'est plus facile, on se casse pas la tête et c'est que... On est les seuls à faire ça en France et dans le monde. C'est parfait. Bah, on espère s'il y a d'autres groupes de rock discount qui se manifestent. Se manifestent. On va bien faire des dates avec eux. De Besançon, on a joué à la Rodia, on a fait pas mal de festivals, le PDZ à Besançon, puis on a fait pas mal de festivals, on va continuer d'en faire. On se lance dans le mariage aussi au cas où. Mariage, baptême et autres. Ouais, en fait l'essentiel c'est que ça paye quoi. Ouais. On va jouer à ça. Ouais. Spécial, on a un groupe de Besançon, voilà. À l'époque, donc, on avait justement un set beaucoup plus gros qui, à certaines périodes, pouvait atteindre 1h30. Et avec le piston, on a appris à travailler différemment et du coup revoir nos chansons, ce qui nous a demandé énormément de travail. Et justement, on voulait tenir une base très très solide. Et c'est pour ça que ça nous a emmené progressivement vers ces buissons au fond. Là, on vient de sortir un EP, 3 titres. RD2 qui s'appelle, qui est en vente au Bastion sur notre site internet. Faut nous envoyer un petit mail sur les de vue à vue. Ouais, voilà, de vue à vue. C'est-à-dire, vous nous voyez, vous nous demandez, hop, on le vend. Puis sur les réseaux sociaux, tout le bordel, Facebook, MySpace, ouais, Twitter, ouais, tous les trucs de Jones. Mais c'est vrai que j'avais oublié. C'est de l'autoproduction, mais c'est léché, enfin, on fait le maximum, quoi. Surtout cet EP qui vient de sortir. Quoi. On bâcle pas ce qu'on fait. Ouais. Là, je crois qu'on est quand même fiers de ce qu'on a fait. On va repartir dans un album, donc cet été, c'est officiel, on enregistre cet été. Donc pour un album qui sortira 2013 ou fin 2012, c'est à voir, quoi. C'est à voir. Donc c'est prix spécial toutattaché.fr. Donc il y a un peu tout, il y a des photos du groupe, nos zik, donc on file tout.